Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour du grand départ. Donc là je vais aller prendre l'avion pour aller donc au Japon, à Tokyo. Et j'ai le vol à 14h05, départ de Bordeaux. Et donc voilà, je suis un petit peu excitée, triste, un mélange de tout ça, mais je me dis que cette année va être une belle année, une belle aventure. Donc voilà, on garde que du positif. Ah, et bien pour l'année à venir, je te souhaite que tu découvres ta voix, que tu t'amuses, que tu profites et que tu reviennes avec plein de souvenirs. Merci. Qu'est-ce que je te souhaite? Pas mal, tu vois. Je te souhaite la confiance en toi, la confiance en la vie aussi. Voilà, je pense que c'est le premier truc que je te souhaite. Ouais, c'est bon. Revenir forte et savoir qui tu es. Et où tu veux aller. Oh, Voilà. merci. Après, un petit plus, je te souhaite plein de rencontres amicales ou autres, mais plein de rencontres, plein de sociabilisation. Ouais. Je vais bosser ces français. Voilà. Merci. Plein d'amour, plein d'amitié. Ben, je sais pas. Alors, la réussite, le bonheur, tout, pourquoi? Beaucoup de bonheur, de la réussite, que tu t'amuses au Japon, que tu travailles beaucoup, que tu sois esclave de la société. Merci. De rien. Alors, tout plein de choses, du bonheur, d'être épanoui dans tes projets, de trouver ta voix, et voilà, d'être bien dans ta peau et être heureuse, tout simplement. Merci. Voilà. Qu'est-ce que la suite plus plein de découvertes, trouver une nouvelle passion, j'allais dire, mais en fait tu l'as déjà, et je sais pas, plein de bonnes choses, et t'épanouir, enfin, vivre ta vie. Salut maman, c'est Inès. Alors bientôt tu es partie au Japon pour un an d'expérience extraordinaire, et félicitations. En fait, moi, j'ai pas de soucis pour toi, parce que je sais que t'as fait déjà plein de choses avant le départ. Par contre, j'espère que tu pourrais bien profiter des ans, même que t'as déjà allé au Japon pour voyager. Mais je crois que tu pourras encore trouver des choses intéressantes lorsque tu vivras là-bas. Si je dois dire quelque chose, soigne-toi bien pour ne pas être malade et bon courage! Moi, je dirais une bonne intégration, beaucoup de bonnes rencontres et ta gueule. Merci. Et je vois pas trop l'autre. Ok, bah c'est suffisant, merci beaucoup. Et pêche au plein, mec. Bon bah, moi ça m'a semblé boring, mais de trouver ta voix et surtout de te plaire pendant cette année au Japon, quoi. Maëva, bon, pour l'année dernière, je veux juste que tu sois heureuse, que tu t'épanouisses, tu réalises enfin de tes grands rêves, et ça, je suis vraiment trop, trop, trop contente pour toi. Bon, tu vas me manquer, ça c'est sûr, tu me manques déjà. Mais bon, prochain voyage en Corée, hein, TMTC. Ouais. Non, mais en tout cas, je sais que ça va être une expérience de fou, que tu vas vivre des moments incroyables, que ça soit au niveau des rencontres, au niveau personnel ou même du travail. Tu vas revenir qu'enrichi.